nuevo en el cielo que Dios no es más al cielo. Que la divinidad habite en vous. Et nous avons dit amen à ça. Amen. Nous voulons que nous soyons encore plus. On nous a dit. Prenez vos Bibles. Nous lirons le verset 25 au verset 26 de Jean au chapitre 14. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Prions. De kota la nakati na Yesu. Elongana yo. Kika bilolela na mbamba ya. Oui, Seigneur, la lecture de ta parole a été faite. Comme nous l'avons chanté, nous sommes venus pour que tu puisses nous conduire. Parce que tu es le bon berger. Marche devant nous, Seigneur. Si nous n'avons pas été à la hauteur, Seigneur, pardonne-nous. Regarde tout et jette cela dans la mer de l'oubli. Modèle-nous et donne-nous la forme que tu voudras. Conduis-nous dans le contexte, Père. Fortifie-nous. Ce que nous n'avons pas pu exprimer. Nous croyons que tu es ici. Dans une autre dimension. Guéris les malades. Console les affligés. Car tu es le consolateur. Oh, le parfait nom. Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur
vous bénisse richement. Amen. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. 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 Nous allons commencer ce soir par une citation de Frère Branham. La parole parlée est la semence originaire. Prêcher le matin. Oui, témaki na tongo. Parce que Frère Branham a fait un enseignement le matin et soir. C'était le 18 mars 1962. Il dit ceci au paragraphe 64 en anglais. Il dit ceci. Chaque semence doit être produite selon son espèce. Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce à lui, pour qu'il soit sa parole sur la terre. Il l'a exprimé en Jésus-Christ. Qu'en était-il? Dieu était en Christ. Voilà un homme selon son espèce à lui. Voyez, quand Dieu, qui est la parole, trois points, combien savent qu'il est la parole? Quand la parole était en Christ, un homme, qu'elle s'exprimait à travers lui, c'était Dieu, la parole qui s'exprimait en Christ. Et Dieu, au commencement, a fait l'homme à son image. Et c'est cette espèce d'homme-là que Dieu fait aujourd'hui. Amen. Amen. Les séminaires et les pouvoirs d'incubation produisent un tas de brides. Vous voyez les écoles. Mais quand Dieu appelle un homme, il est à son image. À son image à lui. La parole rendue vivante en lui. C'est vrai. Le voilà. Voilà l'homme de Dieu. L'homme à son image. Son exacte ressemblance. Et Jésus a dit, il fera les œuvres que moi j'ai faites. Donc Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce, son espèce. Qu'est-ce que c'est? La parole. Il est la parole. Alors si un homme nie la parole de Dieu, comment peut-il être à l'image de Dieu? Posez donc la question. Posez-vous la question. Comment pouvez-vous être à l'image de Dieu et nier la parole de Dieu? Alors que la parole est l'expression même de son être. Il dit, ce n'est pas ça que ça veut dire. La dernière chose que nous avons exprimée, c'est que Dieu a fait l'homme à son image, à lui.
Selon son espèce à lui, Dieu a fait un homme selon son espèce. Vous saisissez? Un homme selon son espèce. Eh bien, quelle espèce d'homme était-il? Si vous regardez en arrière, vous voyez ce qu'il était, quand il était fait chair, c'est cette espèce d'homme-là qu'il fait. Pas vrai? Un homme selon son espèce. Amen. C'est vrai. N'est-ce pas? Amen. Amen. C'est ça l'homme selon son espèce. Un homme comme lui. Jésus. Yesu. Amen. Amen. Frère Branham nous dit ici et exprime clairement quel genre d'homme que Dieu fait aujourd'hui. Et tu vois, motu na moto nzambende akosala lelo. C'est un homme, Jésus. Dieu, c'est lui, moto, c'est lui, Yesu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans la prédication Apocalypse chapitre 4, troisième partie, intitulée Le trône, au paragraphe 231, Frère Branham dit ceci. Pourquoi notre volonté? Pourquoi appelez-vous cela notre volonté, Frère Branham? Parce que c'est la place l'homme et la femme exactement sur la même situation que Adam et Ève au jardin d'Éden. Devant quoi? Devant les deux arbres. Celui-ci est la mort, celui-là est la vie. Nous choisissons par notre propre volonté. C'est le libre arbitre. Dieu a placé des premiers hommes, Adam et Ève, dans une situation de libre arbitre. Ils vous mettent dans la même situation et la même manière pour vous de choisir. C'est en faisant usage de votre propre volonté. Alléluia, c'est votre volonté. Vous devez vouloir la volonté de Dieu. Vous devez être débarrassé de votre propre volonté pour laisser entrer la volonté de Dieu. Car c'est le seul canal qui produise au cœur. Et fait un homme selon l'espèce de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham nous dit quelque chose de très important ici. Il dit l'homme que Dieu était un homme esprit. Genèse 1. Était Bouka Genèse d'Ayambo. C'est la partie spirituelle. Genèse 2. Genèse ami balé. C'est la partie physique. Je ne veux pas dire que le physique n'est pas esprit. L'esprit est physique. Il y a la différence entre ce qu'on appelle physique et
avec ce que nous appelons matière ou corporelle. Il dit amen. Amen. Et il y a une autre différence entre ce qui est visible. Il y a beaucoup d'éléments de la physique qui sont invisibles. Par exemple, les ondes audio ne peuvent pas être vues. Mais elles existent. Tangibles. Et vos oreilles le déclarent que ça existe. Mais votre toucher ne connaît absolument rien. Amen. Vous dites amen? C'est bon. Mais ce n'est pas parce que le toucher ne peut pas toucher la voix que nous allons dire que la voix n'existe pas. Dites amen. Amen. C'est pas parce que les yeux ne peuvent pas voir le ressenti. Et ça n'était pas te mis sur ma corps mon tête likamo boeto na oyoka nzoto seito mawa. Que on peut dire que ça n'existe pas. Et te trouve le batete le linga ko sala bonge salite. Pour capter le sang. Et te donc aussi ma mingongo. Nous savons que le sang existe, Dieu nous a donné lui. Et te met mingongo misali nzamba pesi pesi ma kokia ko yoka. Vous savez que la lumière existe. Bon, toi, ben, t'es pour les alliés. Et tout ce qui émet les ondes lumineuses. Et t'es pour les alliés. La peau, le toucher ne connaît pas. Et pour ce si ma peau, le voyait, là, ça, peau, là, mais pour le déclarer, Dieu nous a donné les yeux. Bon, toi, ben, t'es pour les alliés, ça, ma peau, ça, et c'est ça l'organe de la vue. Y a un de ma coquille, y a comment. Avec l'imagination et le reste. Et de même aussi, ces cinq sens ne peuvent pas déclarer l'esprit. Ils ne peuvent pas déclarer un démon. Ils ne peuvent pas déclarer Dieu. Cela ne veut pas dire que ces réalités n'existent pas. Et Dieu nous a donné un autre sens pour être en contact avec le monde spirituel. Mais pour être en contact avec le divin, il nous a donné l'âme pour être en contact avec tout ce qui est divin. Mais les cinq sens de l'esprit et les cinq sens sens du corps, ils ont besoin de l'âme pour leur exhorter et leur faire comprendre qu'il y a le divin. Quoi que ça ne sera jamais clair. Ça n'a jamais été clair pour la vue et le toucher. Le toucher, lui, déclare la pression et le thermique. Mais pendant ce temps, le goûter, lui déclare trois choses. Le sucre, la mer, et l'acide. Et il mélange tout cela. Il a trois senseurs. Mais la vue ne peut pas comprendre que signifie le goût sucré. Mais cela, il a besoin de l'autre sens. Mais pourquoi, comment vous voulez connaître Dieu par le moyen du raisonnement? Amen. Vous voulez les preuves de la raison? Non, ça ne peut pas se faire. C'est comme si tu demandes aux yeux, tu lui dis, moi je croirais que l'amour ou la haine existent si je les vois.
Mais comment les yeux peuvent voir l'amour ou la haine? Non, il ne connaît pas. Vous pourrez beau l'exhorter. Ce n'est pas de la domaine de la lumière. Dites amen. Amen. Vous savez que l'amour existe. Et la haine aussi existe. L'autre vous attire. L'autre vous repousse. Ça existe, n'est-ce pas? Alors essayez de voir ça, c'est quelle couleur? Ton amour est bleu ou orange, ou ta haine est noire ou rouge. On ne peut pas voir. Tu pourras beau exhorter les yeux. Pour les yeux, ça n'existe pas. De même pour la raison, Dieu n'existe pas. Qui peut dire amen? Amen. Demande à tes yeux comment le goût salé est comment. Et tout le monde est venu. La mer, lui ne connaît pas. Qui peut dire amen? Amen. Dis le piment agit comment? Et tout le monde est venu. Philippine est venu. Lui dira c'est un fruit dans lequel une plante le produit. Il dit, mais pourquoi les gens mangent? C'est sucré ou quoi? Lui ne connaît pas. Il te dirait que le piment est rouge. Mais vous allez lui dire aussi, les cerises sont rouges. L'autre pique. L'autre est sucré. Lui ne pourra jamais comprendre. C'est pour cela, frère Bwanami dit, on ne peut pas connaître Dieu par la voie du raisonnement. Mais il y a un sens qui déclare Dieu. C'est l'âme. Vous écoutez ça? Amen. Oh, mon ami nous indique quelle sorte d'homme devait être sur la terre. Il dit ça devait être un homme selon l'espèce à lui. Un homme selon l'espèce de Dieu. Et lorsque Adam et Ève tombent, alors Dieu a tout fait de venir sous forme de Jésus-Christ pour nous montrer quelle espèce d'homme il voulait que nous devons être. Il nous a produit un prototype. Donc vous, dans la volonté à lui, vous avez été créé dans un dessein d'être de Jésus-Christ. Féminin et masculin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout est enseignement. Toutes les prédications qui ne visent pas d'amener l'homme à être Jésus, c'est en dehors de la Bible. Amen. Amen. Même si on est béni, c'est bien. On peut avoir beaucoup de biens. On peut avoir beaucoup de dons. On peut être très spirituel. On peut avoir beaucoup de révélations. Mais si tout ça là ne t'amène pas à être à la direction de l'étoile du nord, ta boussole est en panne.
Amen. Amen. L'étoile du nord, c'est la parole. Et ce n'est pas un ordre de l'Iluba. Mais ce n'est pas une parole dans la brochure. Ce n'est pas une parole dans la Bible. Il était la parole. Mais c'était une parole homme. Un humain. Selon l'espèce de Dieu. La boussole. Nous indiquera cette position-là. Et ce que nous enseignons, c'est être dans cette position. Parce qu'il dit, mon père agit. Et moi aussi, j'agis. Qui peut dire amen? Amen. Il dit, vous êtes embrouillés. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore appris du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Père de Jésus-Christ. Jean 14. Au premier verset. Il dit, croyez en Dieu. Et croyez aussi en moi. Jésus-Christ. Était un petit Dieu. Et son Père. Le grand Jéhovah. Était le grand Dieu. Après que tu as cru au grand Dieu, le Père de tous, croyez aussi en moi. Moi aussi, je suis Dieu, le petit Dieu. Qui peut dire amen? Amen. Adam était un petit Dieu. Un petit Dieu amateur. C'est pour cela que Jésus dit, je ne fais rien. Si premièrement je ne vois pas le Père, le faire, je suis ici pour s'en occuper du business de mon Père. Lorsque le Père agit, moi aussi j'agis. Et je suis un apprenti du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Il agit selon le Père. Il dit, celui qui me rejette, il n'a pas été connu du Père. Qui peut dire amen? Amen. Parce que celui qui a le Père a aussi le Fils. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Parce que moi et la parole, nous sommes un. Alors le Père vous aimera. Et moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure, notre cité, notre château, notre place d'habitation. Frère Branham dit dwelling place. Et place d'habitation en vous. Qui peut dire amen? Amen. Lorsque Dieu au commencement dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Frère Branham dit dans les Sioudis, intitulé questions et réponses sur la Genèse. Il dit, qui disait créons l'homme? Et il s'adressait à qui? Dites amen. Amen. Parce que la Bible dit, il le créa. À l'image de Dieu.
Il dit, il mit pour qui? Yatuni moto a kela ki wane sala ki nani? Qui peut dire amen? Amen. Il dit le Nouveau Testament. Ete ezangi na boyo kani asika. Répond à la question. Ete ya epese ya nous. Que tout a été créé. Ete nyonso kela maka. En lui. Na kati na ye. Pour lui. Pour na ye. Et par lui. Pour na ye. Amen. Amen. Donc d'abord il faut être en lui. Ete, il faut être la catinaye. Amen. Le principe de la création. Ete, wanande mobe kwa kokelama. C'est ça la vraie évangile. Ete, wande sa malama solo. Amen. En dehors de ça, libanda nango, vous prêchez un credo. Ete, yo kozonga la seli kama moko na moko na moko otele mali kolo nango. Amen. Vous ne prêchez pas la bonne nouvelle. Vous prendrez les citations et vous n'allez nous placer un bœuf qui est en train de brouter au sommet de l'arbre. On va mettre ses sabots sous les branches et en train de brouter l'herbe. Non, ça c'est une fausse image. Le puzzle. Tu as mal mis les pièces de puzzle. C'est ce qui t'amène là. Mais Jérobabel est venu. Avec le fil à plomb. Il a le niveau entre ses mains. Pour qu'il n'y ait pas les murs tordus. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon. Alors, remarquez. Créons l'homme. Et tout qui est la moto. À notre image. Dieu. Zambé. S'adressait à qui? Parce que la Bible dit, et Dieu dit, créons l'homme. Donc la moto. Et témoin de Jéhovah dit qu'il dit, il s'adressait aux anges. La témoin de Jéhovah dit, il y a banje. Aussi il s'adressait aux anges. Et ce à quoi le banje. Mais celui dont il s'adressait. La Bible continue. Que il, au lieu qu'il écrit avec Dieu, il dit il, pour qui? Il le créa, le pour l'homme, à l'image de Dieu. Quelqu'un différent de lui. C'est pas Dieu le créa à l'image de Dieu. Et ça serait une tautologie. Amen. Amen. Il le créa. Il a quelle moto? À l'image de Dieu. Et William Branham dit. De Branham a dit. Pour la création de l'homme. Ne tel que quelle moto? Il dit faisons l'homme. Il a tout ça la moto. Il dit entre parenthèses c'était le Père et le Fils. Donc l'homme était à l'image du Père et du Fils. Tout le monde ne comprenait pas ce que Moïse avait écrit. Mais nous avons reçu un astronaute. Il a fait un voyage dans le temps. Un prophète. Selon Malachi 4. Nous sommes si heureux. Parce que Dieu nous a envoyé du ciel. Un prophète. Qui peut dire amen? Amen. Un prophète. Il est de façon faite que son état conscient et son subconscient sont ensemble qu'il peut évoluer dans deux mondes au même moment. Alors,
il a fait un voyage. Il est arrivé au jardin d'Eden. Il a vu le serpent. C'était un homme, un animal à la forme humanoïde. Mais il a trouvé que il n'avait pas une âme. Il a voyagé encore. Et il est arrivé dans Genèse 1. Et il a vu. Et il a essayé de vérifier. L'Esprit sonde. Même les profondeurs de Dieu. Et il a vu. Il dit, oh, mais c'était le Père. Et le Fils qui créa l'homme à l'image du Père et du Fils. Les binitaires ont dit, donc il y avait deux personnes au commencement. Dieu le Père avec une barbe, comme celui des rabbins ou des ayatollahs. Et il était assis là. Et le Fils, Jésus-Christ, était assis à son côté. C'est les deux qui ont fabriqué l'homme. Branham a vu encore. Qui est le Père? Il dit le Nouveau Testament. Philippe a demandé. Bon, tu es le Fils. Le Christ. Christo. Le Fils du Dieu vivant. Tu dis que maintenant, à base de ce que tu nous as tout dit, venu de ton Père, nous ne sommes plus tes serviteurs, nous sommes des amis. Et il dit encore, je m'en vais au Père, vous connaissez le chemin. Personne ne peut aller au Père s'il ne passe par le Fils. Maintenant, vous connaissez le chemin. Je m'en vais vous préparer une place. Ensuite, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, il est dans le Père. Vous aussi, vous soyez. Vous connaissez le Père. Philippe dit, Seigneur, comment tu dis nous connaissons où tu vas? Il dit, je m'en vais au Père. Il dit, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et nous serons comblés. Il dit, Philippe, depuis que je Gai, pronom personnel, Gai Boboto, Gai, je suis Gai Nazali avec vous. Nabino, tu m'as pas connu. Philippe dit, je vais voir le Père. Voyons le Père. Et cela me rassasie. Il dit, mais depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Tu ne sais pas que je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et moi et le Père, nous sommes un. Et que celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. 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 Voilà la position dont je suis. Un homme créé à l'image de Dieu. Le Père et le Fils. Il dit, c'est là où je suis. C'est pour cela que je vous ai dit, vous avez vu ça. C'est-à-dire que vous avez compris ça. Ah, c'est pour cela que je m'en vais vous préparer. J'aurai cet âge de l'Église. Ensuite, je reviendrai pour vous prendre, afin que la position que je suis, vous soyez. Alléluia. Yeah.
vous êtes prêts? Amen. Il dit, petit troupeau, ne vous troublez pas, ne vous craignez pas, car il a plu au Père de vous donner le royaume. Et le Père est une position. Le Père n'est pas une personne. Alléluia. Il dit, alléluia. On sait qui est du jour et l'heure, personne ne connaît. Même les anges du ciel ne connaissent pas. Les anges du ciel ne connaissent pas. Seul le Père connaît. Ce septième sceau n'est connu que du Père. C'est pour cela nous devons être dans la position du Père pour connaître le jour et l'heure. Amen. Il dit à Jean à l'île de Patmos, écrit la révélation de Jésus-Christ, le Fils, que Dieu, le Père, lui a donné. Le Père révèle au Fils. Et la l'unité entre le Père et le Fils entre ces deux attributs. Parce qu'il dit qu'ils sont un. Ils seront un en vous. L'union, c'est la vision. C'est la vision. Et cette vision n'est pas donnée à n'importe qui. Vous écoutez ça? C'est pas pour dire que n'importe qui n'est pas un homme de Dieu. Paul! Était un homme de Dieu. Et il est. Parce que la mort ne change pas les gens. Irénée, c'est un homme de Dieu. Néville, c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. Tous les autres, c'est un homme de Dieu. Mais celui-ci est différent. Mais bien que Jérobabel était un prince d'Israël, mais Dieu lui avait appelé à un niveau un peu plus élevé avec le sacrificateur Josué. Il dit, voici sur cette pierre, je graverai moi-même ce qui doit être gravé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon. C'est pour cela que c'est sur la pierre. J'ai mis sept yeux. Et ces sept yeux, ce sont les yeux de l'Éternel. Les yeux du Père qui parcourent toute la terre. Les yeux parlent de la vision. La pierre de fait, lorsqu'elle descend, il a un œil. Nous avons vu les films. On nous a, beaucoup d'entre vous qui aiment la superstition, on nous a parlé des Illuminati. On dit que c'est eux qui ont fait le dollar américain. Avec l'œil, on dit que c'est l'œil de Satan. Ça, c'est eux. Mais frère Branham dit, Dieu a inspiré les pères
de mettre comme le grand sceau. Et tu vas le coup la penza et le monnaie. Une pyramide. Et tu vas la pyramide avec na une pierre de fête. Na libanga ya suka avec un œil. Libanga ngona liso. Il dit l'œil parle de la vision. Et liso kolbana komona de la prophétie. Et na lisako. Il dit la pierre fêtière. Et libanga suka. Il dit dans la Bible et la a toujours été Christ. Et ça que c'est Christ. Bon, vous allez croire à qui? Le commentateur des Illuminati ou vous allez croire la parole. Vous devez faire très attention à des documentaires que vous ramassez. Qui peut dire amen? Amen. L'œil du dollar américain, c'est Christ, de Christ qui montrait d'avance qui descendra et tant que pierre de fer et tant que la parole dans un ministère d'un voyant. Et le voyant là, c'est William Mario Branham. Amen. Je m'en fous de ce que les Illuminati font. Mais je crois le message. Ils ont dit le grand saut. La nouvelle ordre mondiale. Pour moi, l'ordre mondial de l'Éden de Satan, moi ça ne me compte pas. Mais je sais qu'il y a un autre ordre de l'homme fait à l'image de Dieu. L'étoile polaire, les hommes doivent devenir Jésus, le Christ. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il a plu au Père. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Jésus, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Christ. Qui peut dire amen? Amen. C'est bon. Jésus, c'est l'homme. Jésus, c'est moto. Le Seigneur, c'est Dieu. Kolo nzambe. Le Christ, c'est son fils, la parole. Christ, mais c'est Jésus, homme. Yeshua. Yeshua. Dieu a fait de lui. Elohim, le Seigneur. Elohim, Jéhovah. Jéhovah. Christ. Christ. Christ veut dire Messie. Et Messia. Messie. Messia. Amen. Amen. Messie veut dire envoyé. Et Motindami. Amen. C'est bon. Qui peut dire amen? Amen. C'est ça l'homme selon l'espèce de Dieu. Dieu l'a promis que l'épouse, l'union invisible, il dit que l'épouse est fait des mêmes matériaux que l'époux. Il dit aujourd'hui, c'est le même Jésus, mais sous une forme appelée l'épouse. Lorsque vous êtes assis là, vous êtes le Seigneur Jésus-Christ sur une forme amorphée. Vous devez accepter ça. Amen. Frère Branham dit, dans la sémence ne rite pas avec la balle. Il dit, lorsque l'église, l'épouse, arrivera au point de déclarer. Qui peut dire amen? Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Il dit, c'est là que la balle va se retirer. Amen. Ne soyez pas étonnants. Que cela ne vous mette pas dans l'étonnement. De voir que les frères vont se retirer. Parce que nous arrivons exactement à ce temps-là. Où nous allons déclarer, moi et le Père, nous sommes un.
Et l'unité, c'est dans la vision. Et la balle va se retirer. La balle, c'est le pentecôtisme. Avec ses parlants en langue. En train de tissoire. Avec ses histoires. Avec son charisme. Mais lorsqu'on arrive à la parole, ils l'ont suivi. Lorsqu'il guérissait les malades, ils l'ont suivi. Lorsqu'il les nourrissait, il leur donnait le pain physique. Il leur a donné les voitures. Il leur a donné les maisons. Ils ont dit, oh, que tu es bon. Les boulangers n'étaient pas contents. Il y a eu faillite d'un business de boulangerie. Qui peut dire amen? Amen. Même les agriculteurs qui font le blé. Ils étaient contents. Lorsqu'il a dit, vous devez boire mon sang. Et manger ma chair afin de devenir moi. Sinon, vous n'êtes pas digne. Ah là, ils l'ont appelé qu'il n'est pas. Moïse nous a dit que le sang humain. Moïse est le grand prophète. Il lui dit, mais Moïse parlait de moi. Oh non, 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 ça c'est pas le message, mon frère. Il dit, mais comment ça? Et lui, il a dit, vous lisez la parole. Vous lisez les écritures. Vous croyez avoir la vie à ça. Alors que ça, ce n'est qu'un panneau indicateur qui vous parle de moi. Parce que tu peux croire Ephésiens 4 dans la Bible. Tu peux écrire, tu peux croire Malachie 4. Si tu lis ça, les catholiques croiront ces versets. Les témoins de Jéhovah vont croire. Le judaïsme croira. Parce que c'est la Bible. Tout le monde va dire que oui, c'est la Bible. Je vous enverrai lire les prophètes. Mais si tu leur dis, ce verset-là, c'est cet homme-ci, ah, il ne va plus croire. Il peut croire les Éphésiens 4. Dieu enverra les missionnaires, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, et il enverra tous ces grands hommes, les docteurs. Tu les lis dans les versets d'Éphésiens. On dit, tu crois ça? Il lui dit, je crois. Mais si tu lui dis que ce que tu lis là ne te donne pas la vie. Parce que la parole dans la Bible ne donne pas la vie. Parce qu'elle n'est pas lumière. Tu ne serais pas condamné parce que tu as rejeté un verset biblique. Tu ne serais pas sauvé en acceptant un verset biblique. Mais parce que la parole dans la Bible est une semence qui n'est pas lumière. Ça ne donne pas la vie. Elle est lumière lorsqu'elle est faite chair. Parce que la parole faite chair est la lumière des jours lorsque vous le voyez. Moi j'ai vu. Et j'ai saisi la vision. J'ai vu que Malachie 4 est accompli en William Branham. Alléluia. C'est la lumière de l'âge. Arc-en-ciel a vu cette parole faite chair dans le pasteur lisse. C'est la lumière. Amen. C'est cela la lumière. Amen. Amen. Parce que c'est ça, tu n'as pas de lumière. Il dit, petit enfant, Dieu est lumière. Petit enfant, Dieu est lumière. C'est bon.
Amen. Écoutez. Toyoka. Le Père et le Fils devaient créer un homme selon l'espèce à lui. Et Dieu nous a donné ces sortes d'hommes qu'on devait être comme Jésus de Nazareth. Et William Branham vient. Que le Dieu qui a créé l'homme au sixième jour est sous la terre au sixième millénaire. Et qu'aujourd'hui, un autre sixième jour, il va créer l'homme là. C'est ça la rédemption. Qui peut dire amen? Amen. C'est ça le but du message. Dieu parle. Et les morceaux de colonne de feu. Parce que le Père était Dieu au-dessus d'Israël. Comme la colonne de feu. La journée ou la nuit. Pour l'air éclairé, et la journée une colonne de nuée. L'image de 1950. Alors que Frère Branham n'avait que 41 ans. Elle est même image. En 63. Le même Dieu. C'est le même qui est venu. En 1909. Le 6 avril, lorsqu'un tabernacle était né, Dieu était descendu pour vérifier. Et lorsqu'il a eu 12 ans, il dit ne souille pas encore. Parce que lorsque tu seras grand, moi, j'aurai une œuvre à faire. Quelle était cette œuvre? C'est les œuvres qu'il a fait et qu'il fera de plus grandes. Frère Branham dit, alors quelle est la plus grande œuvre? Il dit, c'est donner la vie éternelle. C'est quoi? Le Père Tata et le Fils Namwana étaient un en William Branham. C'est pour cela que William Branham pouvait se tenir là. Que l'écureuil soit et l'écureuil fut. Ça là, c'est le Dieu de la Genèse qui est capable de le faire. Même Jésus-Christ ne pouvait pas faire ça. Il a pris le pain, il a changé. Il a multiplié. Il a pris le vin, l'eau, il a changé. Voyez, il a pris le poisson, il a multiplié. Il a pris une main chaussée et il a redonné la vie. Il a pris la matière pour transformer. Même les scientifiques peuvent le faire. Même Jeannès et Jambresse pouvaient prendre un bâton et le donner au serpent. Et Moïse pouvait prendre le sable et faire les mouches. Mais depuis le temps de la Genèse, alors qu'il n'y avait que les volcans sur la terre, mais Dieu s'est tenu là-bas. Le Père et le Fils, ils ont dit à partir du néant que la vie soit et la vie suit. Ça, c'est la fonction du Père, créateur de tous. Il était promis que lorsque le dernier ennemi sera sur la terre, Dieu viendra, il détruira le dernier ennemi. Lorsqu'il détruira le dernier ennemi, alors Christ lui aussi sera soumis. En ce moment, toute chose doit être soumise à Christ jusqu'à ce que le dernier ennemi puisse venir. Lorsqu'il apparaîtra, Christ va le détruire.
Après cette œuvre-là, Christ lui-même sera soumis au Père. Et le Père sera en tous. Amen. C'est une position. Amen. Il a flashé. Il dit, si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous, vous voyez le dernier ennemi est mort. Amen. Il dit, à ce moment-là, vous n'aviez plus besoin de prier ou de demander. Demandez tout ce que vous voudrez. Moi, je serai maintenant votre serviteur pour exécuter. Le croyez-vous? Amen. Que le Fils lui-même sera soumis. Parce qu'il dit, à cause de cela, la femme, moi aussi, tes désirs se porteront vers ton mari. Et tu seras assujetti. Et tu as continué. Qui peut dire amen? Amen. Mais au commencement, il n'en était pas. Et c'est là qui m'ont voté. Écoutez, mes frères. L'homme selon Dieu. Et tu es c'est un Jésus. C'est Jésus. Ou une Jésus. Donc, Jésus est moi aussi. C'est bon. Nous avons dit que vous êtes des êtres surnaturels. Dans des corps humains. C'est bon. Afin de faire des expériences humaines. Et ces expériences ont un effet rumanant sur vous. C'est un effet d'influence. À tel point que tu crois que c'est toi. C'est pas toi. Alors lorsque le Dieu est venu, tabarnaké de William Branham, et ta fait du bon mot qu'est-ce que Branham. C'est pour nous appeler à l'existence. Et ça l'était après la bisoto ça là, amen. Qui peut dire amen? Amen. Dieu à nouveau, au travers de ces messages, dit faisons l'homme. Double sous l'entrée là, quatre semaines avant lui, tout ça la moto, amen. C'était le Père et le Fils. De tata y en a mon anaïe. Parce que le Père ne fait rien. Tata ça la gagne à tel côté. Le Père ne juge pas. Il a remis tout jugement au Fils. Le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir d'y demeurer. Le Père demeure dans le Fils. C'est pour ça que celui qui a le Fils, il a aussi le Père. Le Père demeure dans le Fils pour appeler à l'existence. Qui peut dire amen? Amen. Le Fils moi, est la maison du Père. Et pas Tata Fandi. Le Fils Mouane est le tabernacle du Père. Et pas Tata Fandi. Le Fils Mouane, c'est pas vous. Et Zaliyote. Le Fils Mouane, c'est la parole. Deliloba. Devenu hémoglobine de sang. Et comme une démonstration, formons un corps. Au sein d'un corps appelé Marie. Et quatre autres ma belle Marie. Au sein d'une matrice. Et na quatre dans ma bota. Votre pensée. Est une matrice. Lorsque la parole arrive en vous et il fait un transfert sanguine afin que la vie de Dieu habite dans l'être humain, il vous contamine, il change vos habitudes, il se manifeste. Qu'est-ce que c'est? Dieu
Zambé tabernacle afandi dans un être humain katamoto à nouveau depuis le temps de Jésus de Nazareth jusqu'à ce jour. Kinamokolmalelo Bana me dit je crois garantimi que l'église est ecclesia est en train d'avancer ezako pusanaka dans un terrain et ne paye où ils arrivera un jour makolmako à prononcer la parole et les choses arrivent. Ce que Branham disait, nous y sommes maintenant. Dites amen. Amen. Vous allez dire, en moi, tel que je suis ici, un mauvais comme moi, avec les trucs que je fais, avec ceci, il dit, ne regardez pas à vous-même. Qui peut dire amen? Amen. Ce n'est pas votre sainteté à vous. Qui me sent toi yayote? C'est sa sainteté à lui. Qui sent toi yayé? Et diable dit? Diable à Koloba. Tu es insignifiant. Yo zala tanatinate. Banami dit, Jésus avait dit, si vous avez la foi pour comme un grain de moutarde, cela vous rend tout puissant. Mais moi je vous dis, si vous n'avez simplement l'ombre de Dieu en vous, vous pouvez créer un monde privé. Et aller y habiter. Saviez-vous que vous êtes des créateurs? Amen. Vous savez que le diable fait tout ce que Dieu fait. Il a la photocopie. Couleur. Il y a couleur. De tout ce que Dieu fait. Sauf la création. Ok là. Amen. Mais vous, yo, vous êtes créateur. Yo, c'est bon, c'est bon. Apprendre du Père, c'est créer. Apprendre du Père, c'est créer. Voyez que le Père t'attend, salut, ok là. Et Dieu a créé par évolution. À partir des unicellulaires, jusqu'à des cellules organisées, sous forme de plasma, et ensuite sous forme d'organes. Et cela rassemblé dans un système de 7 appareils. Et tout ça là, on appelait un homme. Un être intelligent. Vous êtes avec moi? Amen. C'est un processus. Et l'homme Moto était le chef-d'œuvre de la création. L'homme Moto est plus parfait et que les anges dans les cieux. L'homme est plus puissant que les extraterrestres. L'homme est l'unique chose qui est à l'image et la ressemblance du Père et du Fils. Nous avons parlé du libre arbitre qui leur fut donné. Et c'est tout le monde qui n'a pas somme à comprendre après ça, qui n'a pas un goût. Vous êtes avec moi? Amen. Vous permettez ici à l'homme de pécher. Bon, mais tu es pas sans de là dans mon tête et à ce moukaka. C'est pour cela que Jésus, en voyant cette position d'ambiguïté, et tu n'as pas eu ce que moi n'a pas dit, mais le roi n'a pas dit, c'est-à-dire malheur, malheur, malheur.
Il dit, bon, celui qui croit en moi. Donc celui en qui je me révèle. N'est passera plus par les jugements. Il passe à la mort, à la vie directement. C'est pour cela que moi je ne passerai pas par les jugements. Je passe à la mort, à la vie. Pourquoi? À base de ce qu'il m'a tout dit au sujet de la position du Père. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit Christ dans la Bible. Fait de la Bible le centre de tous les mystères de Dieu. Tout tourne autour du Fils de l'homme. Christ. Christ. Dans l'Église. Et quand l'Église. Fait de l'Église le centre de tous les mystères. A comme si l'Église est tombée ma bonne mignon sans amis. Christ est dans le jardin. Christ au quatrième langue en Éden. Le jardin. Na quatrième langue. Là où poussent les arbres. Et pas vendeur au bima. Fait que il soit le centre du jardin. A comme quête, ça la quête là c'est la quatrième tombée ya langue. Et il est le centre de tous les mystères, parce que les arbres étaient des mystères. Et il y a comme une idée, et tout le monde m'a mis dans ce point, c'est là qui m'a mis. Mais cette fois-ci, ce sera Christ en vous. Et tu m'as donné Christ au quatrième. Paul disait que c'est ça l'espérance de la gloire. Voilà, le maquette est à mon délicat dans le kembo. Son espoir. Pour la gloire. Bon, dans le kembo. D'œil batté. Voilà, comme bunda. C'est Christ. De Christ. Qui sera dans l'être humain. Amen. Christ est dans l'homme. Et Christ au quatrième moto. Fais de lui le centre. A comme si moto en étonga. Christ est dans frère Branham. Christ au quatrième de Branham. Aujourd'hui on ne peut pas prêcher l'évolution dit Branham a dit. Le l'autre côté à ce moment-là moto ça roule mais Branham a dit. Il devient le centre. Y a comme étonga nyonso. Qui peut dire amen? Amen. Christ. Christ. C'est le centre. Yende Tonga. C'est lui le centre. Yende katikati anyonso. Dans l'être humain. Soka ye katina moto. Christ habite dans l'âme. Christ afana katine limo. L'âme. Limo. Est le centre de l'homme. Et yende Tonga ya moto. A tour de contrôle. Et paye yange la anyonso. Le libre arbitre. Et bosomi akopona. Fille donnée à l'homme. Et pas samaki na moto. Écoutez ceci, mes bien-aimés. Et te voyons kaboy malinga mi bangai. Et suivez cela. Pe landa ngo malamu. Pour que vous ne soyez plus ballottés à tout vent de doctrine. Bon ato yenga yenga te na malaksi ndenga ndenge. Que Christ. Et que Christo. Ne voulait pas. Linga kite. Il soit l'auteur du péché. Ce mystère de Christ qui a été révélé. Paul dit, le mystère varié de Dieu. Dans les principautés, dans les ciels. Doit le connaître aujourd'hui. Et tu vois, il y a par l'Église. Même les auteurs, les puissances dans les ciels ne peuvent pas le connaître lui si de venir à l'Église et connaître ces cantiques de l'agneau. Quel est le mystère varié de Dieu, à savoir, c'est un savoir Christ, Christ en vous. À savoir, Christ, Christ en vous. C'est cela, selon Colossiens, le mystère de Dieu. C'est savoir
Christ dans l'être humain. Pas savoir Christ dans l'église. Pas savoir Christ en Jésus. Pas savoir Christ en Joseph. Pas savoir Christ en toi. C'est ça l'espoir de la gloire. Mais Apocalypse 10 dit, au jour, quel jour? 17e ange, il dit non. Pas le jour du 7e ange. Pas le jour de Branham. Non. Au-delà de Branham. Qui peut dire amen? Amen. Est-ce que vous croyez? D'au-delà de Branham. Apocalypse 10:10. Au jour. Namokolo. Pas de Branham. Non, pas le jour du 7e ange. Il dit au jour de la voix du 7e ange. Donc le 7e ange a donné la voix, a déjà créé, et cette voix rentre en scène. C'est au jour des messages de William Branham. Pas au jour de Branham. Donc il y avait le jour de Branham et le jour du sage sans Branham. Mais en ce jour-là, alléluia. Amen. Branham dit ceci. Écoutez bien. Branham dit ceci. Il faut que je m'en aille. Je dois mourir. Parce que si je suis là, tous les pasteurs qui sont avec moi ne comprendront pas ce message. Parce que moi, je fais obstacle. Mais il faut que je m'en vais. Après que je m'en serai en allé. Alléluia. Donc au jour du message, Dieu suscitera les jeunes chants. Alléluia. Il dit, Seigneur, puisse vivre. Et vois ce temps de la moisson. Vois cette grande machine. Il dit, j'ai eu le privilège d'entendre son vibrement. Cette moissonneuse batteuse. Qui peut dire amen? Amen. Qui fera des ravages? Qui sera la gloire? Mais dans la simplicité. Amen. 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 Ça, c'est notre promesse. Nous nous saisissons à cela. Écoutez, mes frères. Cela était caché. Ce n'était pas révélé. J'ai vu cela se dérouler. Et j'ai pris la clé d'une biche. Le pied de biche. Nous appelons ici comme un rache-clou. Vous êtes avec moi? Amen. C'est un fer comme cela. Et qui a deux côtés. Et il s'est ouvert comme cela. On peut enlever les clés, les pointes avec. C'est ça qu'on appelle le pied de biche. C'est comme une histoire de baseball. Il dit, dans la vision, je prenais le pied de biche. Il y avait la montagne. Et j'ai frappé la fête de la montagne. Et cela s'est ouvert. J'ai vu de la lumière. Lorsque je me suis éclaté pour voir, j'ai vu une pierre.
qui était blanc comme du granit, et qui intercelait de lumière, et dans lesquels rien n'est écrit. Et une voix me dit, depuis que le monde existe, la lumière, la révélation, l'intelligence n'a jamais éclairé cette pierre. J'ai eu le privilège de voir ce que ça était. Peut-être ces plateformes que j'ai eu le privilège de construire, que cette personne doit rentrer en scène. Si c'est le cas, je dois diminuer pour que lui lui montre. Nous ne serons pas les deux en scène. Qui il parlait? C'était le Père qui venait pour habiter dans les fils et épouses. Amen. Ce qu'il dit, le nom de l'épouse était caché dans les seaux. Mais quel seau? Le premier seau, lorsqu'il s'est ouvert, nous avons vu l'église et nous avons vu la ruse de Rome. Lorsque le deuxième seau fut ouvert, nous avons vu l'église, nous avons vu la nature meurtrière de Rome. Lorsque le troisième seau s'est ouvert, nous avons vu l'église et nous avons vu la mort, la famine et la pauvreté être chevauchée par quelqu'un et qui les chevauchait. Et vous voyez-vous avec de la farine. Et lorsque le quatrième saut, nous avons vu et ce cavalier a porté maintenant un nom. Et son nom n'était pas la parole de Dieu. Mais celui dont il s'appelait la parole de Dieu, nous l'avons vu dans Apocalypse 19. Parce que l'épouse n'est pas là. Il est déjà enlevé en Apocalypse 4. Mais là, c'est l'église. Et nous avons vu qui s'appelle le dernier ennemi. Et nous avons vu l'esprit, l'onction, se lever du trône comme un aigle en plein vol pour attaquer le dernier ennemi. L'esprit à la face d'un aigle, c'est l'esprit qui a animé William Branham et il le faisait face. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a pas l'épouse. Il n'y a pas toujours l'épouse. Et nous voyons, le cinquième saut s'est ouvert. Nous avons vu les âmes des Juifs qui sont morts aux martyrs. Vous voyez, et qui étaient sur l'autel. Et le sixième saut, nous avons vu les calomnités, les tsunamis, les déclinements de climatique, et les maladies, les guerres et les volcans et la tribulation et de l'église et l'Ecclesia. Et le septième saut, lorsqu'il est ouvert, il y a eu un signe. Mais où est l'épouse? Parce qu'il dit l'épouse. C'est non. Leur nom est scellé dans les seaux. Je viens de vous décrire tous les sept. Et William Branham vient. Il dit, lorsqu'il ouvrit, dans Apocalypse 8:1, il dit, le septième saut, il y a eu un silence environ d'une demi-heure, et c'est fini. Mais il dit, la scène
Et makambo. Qui se passe? Oui, qu'est-ce la main? D'Apocalypse 8, 1. Et na kati ya bouche. Alors que c'est un silence. Et t'es là qu'on a beaucoup bougé. Mais lui, il voyait. De reprendre ma compte là. Il dit c'est une scène. Alors mais ça les camarades qu'est-ce la main? Il dit quelle est la scène? Oui, puis les camarades salami wana. Qui est caché? Oui, Bobby Sami. Là où Dieu n'a pas voulu dire. Et pas une table de gagnants par les camarades. Lui étant qu'un prophète. Qui est le coup la bossacoli? Est habilité. Et ça ne va pas qui? De rentrer. À côté qu'à toi. Là où Dieu n'a rien dit. Et pas une table de gagnants côté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu, Zambé. Moïse a écrit Moussakoma. Que deux magiciens s'opposaient à Moïse. Mais Paul étant qu'un prophète, est rentré à côté, là où Dieu n'a pas dit. Et pas dans ma il a voyagé. Paul dit, comme Jeannès et Jambres. Mais Paul a eu ça où? Yes, étant qu'un prophète, il peut dire à ce que Dieu n'a pas dit. Et toi, ça m'a levité. Amen. Vous comprenez ce que c'est un prophète? Amen. Il dit la scène qui se passe dans ce silence d'une demi-heure. Il dit c'est Apocalypse 1 à 7. C'est pour cela que ça commence. Y a un bandit. J'ai vu un ange. La moni moindre. Qui peut dire amen? Amen. Conjonction. Et c'est ça du loba. De coordination. Et quoi s'engage ça? Une phrase. Malouami bali. Ne peut pas commencer par et. Et quoi pendant que l'on pète? En anglais dit and. En anglais malouami and. Et. P. Donc cela veut dire que Dieu a séparé ça. C'était les pièces du puzzle. Apocalypse 10 est la continuité d'Apocalypse 8. Pour bien lire Apocalypse 8, prends le verset 1 et continue avec Apocalypse 10. C'est ça le puzzle. Mais Dieu a caché ça. Et si vous êtes avec moi, amen. Il a séparé ça. Et donc en réalité, on devait lire. Lorsque le septième sceau fut ouvert, il y a un silence d'une demi-heure. Et j'ai vu apparaître un ange puissant. Qui alléluia. Peut dire amen? Amen. Nous voyons qui? Un ange qui était comme le soleil. Oh, le soleil, c'est Christ. Et il rugissait. Et celui qui rugit, c'est le lion. Et le lion, c'est lui la tribu de Judas. C'est lui le signe du lion. C'est lui la seconde venue. Il rugissait comme un lion. Mais dans la voix du lion, les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Qui peut dire amen? Amen. C'était un jeudi. Et c'est là qui m'a connu jeudi. Le jour du dieu Jupiter. Et c'est mon collègue Jupiter. Il était un dieu qui n'avait qu'un seul œil. Y a qu'une table qui n'a dû sur ses mains encore. Comme ce qui est dans la pierre de fête de la pyramide américaine. Et c'est moi ça le connais. Moi ça la cacha. Les banques sont qu'il y a pas, il y a dollar américain. 1963. Le dieu de tonnerre. Le vrai dieu de tonnerre. C'est pas Jupiter. Jupiter. Le vrai dieu du tonnerre. C'est Elohim, notre dieu. Et on disait qu'il était forgeron. Et que c'est lui qui était en train de faire. Les zéros et comme ça des Olympiques. Donc il fabriquait. Il était un dieu forgeron. Il voulait forger quelque chose. Et son jour d'adoration, c'était un jeudi. Et le vrai dieu de tonnerre, comme il avait fait avec Jonas.
une génération qui cherche des signes. Il leur serait pas donné un autre. Sinon, celui de Jonas. Le Dieu de Jonas est venu sous la forme d'un Dieu païen. Et il a dit, dans peu de temps, si vous ne vous répondez pas, vous serez frappé par interdit. Ici, en 63, le Dieu de tonnerre, le lion, le juge, le maître de la forêt. Remarquez que le lion, c'est un animal qui reste dans la forêt. Il est le roi de la forêt. Il est là dans la savane. Et le vrai lion qui rugit et qui vous tue, c'est moi avec son régissement. Frère Branham dit, on le trouve en Afrique. Le lion d'Afrique. Et Afrique. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas des lions de Juda. Nous parlons des lions d'Afrique. Parce que Jacob dit, et Jacob a le Juda, yo, Juda, tu es comme un jeune lion. Yo, ça, le tu reviens du carnage, mon fils. Tu peux dire amen? Amen. Et il était victorieux. Et yes, qui est longue. Comme Abraham. Le Kolabalama. Il rencontre Melchizedek. Et écoute à Melchizedek. Et cet homme-là. Et Motuana. Qui devait venir? Et c'est Kayaka. Le lion. Kosi. Rougi. Konguluma. 50 ans après. Et mais pour tout le temps on a alléluia. Le 28 février. Et mon Kolab 28 février. Et ça tombe exactement un jeudi. Et jeudi. C'est pas rien. Et ça n'y a pas de comme Dieu vient toujours visiter. Je crois qu'il ne viendra pas. Il est déjà là. Il est avec nous. Amen. Amen. Il est en train de nous visiter. Je crois que vous sentez les vibrations. Amen. 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 Le monde saura. Que cette Bible dit la vérité. C'est pas la blague, mes frères. C'est le moment de resserrer la rampe. Avant que la vision ne puisse les quitter. Ils diront très en ligne. Stay online. Restez en ligne. Il peut dire amen. Parce qu'il avait vu quelques-uns. Les yeux n'étaient pas fixés sur lui. Il n'y a qu'un seul homme. La dénomination ne pourra jamais amener l'épouse à la perfection. L'arbre de l'épouse. Frère Madame dit, la seule réponse se trouve dans le prophète de Malachi. Il est l'unique homme. Un humain, mais il a plu à Dieu de lui donner. Parce que l'un des mystères, c'est que la sagesse, l'intelligence et la divinité sera restaurée à l'être humain. C'est bon. C'est juste. C'est le septième et le huitième mystère. Dans cet ange doit révéler. Et si vous êtes avec moi, amen. L'épouse est décrit là. On voit Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, lorsqu'il dit ça, un pied sur la mer. Un pied sur la terre. Et il jura par lui-même qu'il n'aura pas le temps. Mais lorsqu'il n'aura pas le temps, c'est au jour de la voix. La voix, c'est vous. De la même manière. Les chrétiens au temps de Paul, ils étaient des épîtres.
chapitres vivantes. De même manière, l'épouse est la voix du septième ange. Il dit à ce temps-là, le mystère de Dieu. Christ dans l'être humain. Alors si Christ doit rentrer dans l'être humain, qui était là avant? Son ennemi. Le libre arbitre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui? Alléluia. Qui? Qui? Nani? Je veux que nous disions ceci. Je suis éternel. Je suis éternel. Non, frère, écoutez. L'ombre seulement suffit. Car ombre et à Saint-Esprit, ça vous rend tout puissant. Mais nous ne sommes pas dans l'âge de l'ombre. Nous n'avons pas reçu l'ombre de l'ange. Nous avons touché l'ange puissant. Je vous donne la vie éternelle. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Yes, c'est ça l'œuvre de Dieu. Et vous mourrez dans vos péchés. Yo, si vous ne croyez pas. Mm-hmm. Que ce qu'on vient d'écouter, c'est notre expiation. Mes frères, Dieu est en train d'accomplir quelque chose. N'oubliez pas aujourd'hui, ici, c'est le 1er février. Le mois le plus court de l'année. Mais un certain jeudi. Moi, jeudi encore. 28 février. Tout mon corps, tout mes ballons à moi. 1963. Et ne m'oublie pas 63. Dieu. Zambi. Apocalypse 10. Et moi, c'est la zombie. C'est-à-dire. Ligoloba. Tu t'es manifesté. Et yo mon samaki. Dieu est venu te dire. Zambi kolomanayo. Que ce n'est pas ton vouloir. Ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas toi qui as cherché. Mais il a signé. A commis. Que tu ne mourras plus jamais. Et
remarquez ce que le diable est en train de faire. Regardez dans vos familles les menaces. Depuis un certain temps, il y a des histoires compliquées qui se passent. Vous vous sentez sous pression. Vous sentez des pressions. Le diable sait que c'est notre jubilé. Mais nous ne céderons pas. Nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas chanceler. Nous sommes comme un arbre planté. C'est-à-dire, nous devons bouger. Je ne me suis pas planté là-bas. Il a plu à Dieu. Le Père. Croyez-vous que vous êtes éternel? Croyez-vous que c'est vous qui détenez la clé de la vie éternelle? Savez-vous que vous pouvez dénier quelqu'un? Savez-vous que vous pouvez ouvrir la porte du ciel? D'ailleurs, vous êtes déjà éternel. Le croyez-vous? Amen. Si vous ne croyez pas, je crois pour vous. Et je vous donne la vie éternelle. Amen. Amen. Chaque requête que vous avez maintenant, parce que notre Dieu n'exauce pas seulement nos prières, il exauce l'intention. Je n'ai pas besoin de prier. Que Dieu exauce vos requêtes au nom de Jésus-Christ. Croyez-vous? Amen.